Warum weinst du? Weil ich so glücklich bin, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite so traurig. Dieser Hass von all den Menschen. Manchmal wünschte ich, wir würden wo ganz anders sein. Keiner um uns herum. Coupez! Arrêtez, ça va pas. Regardez cette version. Alles gucken. Mach dir nichts draus. Sind nur neidisch, die Leute. Nichts verstehe, neidisch. Neidisch? Ist, wenn jemand nicht sehen kann, was ein anderer hat. Ah, verstehe. Und die? Die sind alle nur neidisch. Alle. Alle. Warum weinst du? Weil ich so glücklich bin auf der einen Seite und auf der anderen Seite so traurig. All der Hass von all den Menschen. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre mit dir ganz allein. Niemand um uns rum. Natürlich tue ich so, als würde mir das nichts ausmachen, aber es macht mir natürlich was aus. Es macht mich kaputt. Niemand schaut an mir ins Gesicht, nur noch das widerliche Grinsen. Lauter Schweine! Lauter dreckige Schweine! Glotzt doch nicht, ihr blöden Schweine! Das ist mein Mann! Mein Mann! Bibi. Ich liebe dich auch. Ich mehr. Wie viel? So viel. Und ich? Von hier bis Marokko. Weißt du was? Wir fahren in Urlaub. Irgendwo hin, wo es ganz einsam ist. Wo uns keiner kennt. Wo uns keiner anklopft. Und wenn wir dann zurückkommen, dann hat sich alles verändert. Und die Leute sind gut zu uns. Ganz bestimmt. Nous allons vous montrer quelques possibilités qui peuvent rendre votre film plus captivant ou plus intéressant. Voici la première, plan 1 et 2, raccord-mouvement. Pour établir la continuité entre deux plans, on peut utiliser le mouvement d'un personnage. Dans le premier plan, Alice se retourne en pivotant la tête et le buste en direction du groupe à l'arrière-plan. Dans le deuxième plan, il tourne sa tête en direction d'Amy. Raccord 2. Plan 3 et 4. Raccord regard. Pour faire le lien entre deux plans, on peut utiliser le regard d'un personnage. Exemple, Amy regarde les personnages qu'elle traite de cochons et le plan suivant montre ces personnages. Le spectateur voit le groupe à travers les yeux d'Amy. C'est ce qu'on appelle la caméra subjective. Raccord 3, plan 6 et 7.
champ, contre champ. Pour créer une continuité dans un dialogue, il est conseillé de montrer alternativement un personnage de face et son vis-à-vis et inversement. Il est impératif de respecter la règle des 180 degrés. Cela crée une dynamique dans le dialogue. Raccord 4. Raccord son. Plan 9 et 10. Le son peut créer lui aussi un lien entre deux plans. Par exemple, lorsqu'Ali dit pour la première fois « Habibi »,« Je t'aime » en arabe, on le voit, alors que la deuxième fois où il le dit, on ne voit que sa main en gros plan. Habibi. Bibi. Ich liebe dich auch. Puis on entend la réplique d'Amy. Je t'aime moi aussi. Le son permet de mettre en valeur les émotions des personnages.